Les gars, vous étiez nombreux à me demander de créer une chaîne YouTube. J'ai décidé, c'était le cas. Alors aujourd'hui, on se trouve sur le col de Turini avec mon meilleur ami que je vous présente, qui est Giovanni, avec sa... Bon, elle est bestiale, sa GT3 RS. C'est une 997 génération 1 RS en Viper Green. Et la fameuse CLK 63 Black Series. Bon, pour la première vidéo, on s'est dit, il faut qu'on vous fasse un truc un peu différent, un peu original. Alors voilà, on vous a amené ces deux voitures, les deux de 2007, Blast from the Past, des voitures conçues, allégées, avec l'esprit GT3. À savoir que pour Mercedes, c'était leur idée de faire concurrence avec Porsche. Et voilà, je vous présente la caisse. N'ayez pas peur, on va aller rouler tout à l'heure. Je me demande si je vais mettre ma ceinture ou pas, mais ça on voit tout à l'heure. Alors, cette voiture, elle est sortie en 2007. Et je sais pas si vous le savez, mais ils en ont fait à peu près 600 voitures. Avant ça, ils avaient fait la SLK 55 Black. La voiture, elle pèse à peu près 1750 kg. Elle est allégée de à peu près 50 kg sur la CLK 63 d'origine. C'est le fameux bloc 6 litres 3 Atmo. 500 chevaux, beaucoup de couple. Vous allez le voir, c'est incroyable. C'est des voitures qui sont très visceral, même à la conception. Tu avais déjà les pneus, les Pirelli Corsa, qu'aujourd'hui, c'est les Trofeo R qui ont été développés depuis. C'est des pneus avec une gomme très soft, on va dire. Et vous imaginez, le train avant, il a été élargi par 70 mm, l'arrière 60 mm, siège baquet, le volant carré, façon motorsports, l'intérieur en carbone. Je ne sais pas si on arrive à montrer les portes en carbone. Bon, ce n'est pas les portes d'une Superledger entièrement en carbone, mais très sympa. La voiture, il y a vraiment... Le minimum dedans, c'était vraiment fait pour rouler. Tu as des parties en carbone, ça veut dire que là, le petit spoiler à l'arrière en carbone, le diffuseur arrière en carbone, les fameux échappements AMG 3. Regardez ça, vous avez le bar anti-roulé à l'avant pour la garder en place sur la route. Et ça se sent vraiment, c'est une voiture qui est extrêmement pointu, il y a des pneus 260, section 260 à l'avant. Et comparé, exemple, la GT3 RS, c'est la quoi, Joe, à l'avant? Du 230? Du 235. Ouais, du 235. Alors ça te montre la différence, c'est incroyable. Et Joe, alors dis-nous un peu sur ta GT3 RS, c'est une 2007? Oui, c'est une 2007 phase 1. Ouais. Une des premières RS qui était vraiment, vraiment avec l'esprit Rangeport de chez Porsche. Donc, oui, mais ça, c'est la deuxième RS en production chez Porsche. C'est la deuxième après la 996. Ouais. Ça pèse quoi, 1400 kg? Ouais, on doit être dans ces alentours-là, à poids vite. Ça se voit. Même 1400 kg. Même quand tu prends les virages, de la manière que tu appuies et tout, tu n'as pas de body roll. Bon, celle-là, elle a quand même un setup, elle est un peu rabaissée, elle a une géométrie un peu plus sportive. Ouais, ouais. Elle a un... Elle a l'arceau. Volant moteur allégé. Ouais. Elle a l'arceau d'origine, ouais. Et puis, short gearing. Ouais. Donc, elle perd un petit peu de vitesse de pointe. Et tu peux facilement te faire un over-rev en plus. Oui, surtout avec le short shift d'origine de cette voiture, c'est une voiture qui était assez sensible pour faire... Faut pas dire, mais j'ai déjà fait un over-rev en GT2, moi. Voilà. Bon, ça arrive. Ça fait paf après. Puis c'est des voitures qui sont très très différentes l'une des autres. Ils étaient créés un peu avec le même état d'esprit. Porsche a pris la 911 parce que c'est ce qu'ils avaient en production. Et puis Mercedes a pris la voiture
un peu la plus sportive qu'ils avaient à cette époque-là. Entre la CLK et la GT3 RS, tu as exactement 100 chevaux de différence. Oui. Parce que la CLK, elle est à 510. 510, exactement. Et puis celle-là, bon, 415. Ouais, mais 400 kilos, hein. Il y a un écart de facilement 400 kilos. Un écart facilement de 350-400 kilos. Et puis, freinage. Ce qui impacte beaucoup la Mercedes, c'est sa boîte. Grave. C'est une boîte qui est sympa quand tu montes en rapport, mais quand tu descends en rapport, tu sens un petit peu que... Ah, c'est sûr. Voilà, c'est la technologie de 2007. À l'époque, en boîte automatique, tu avais ça. Windows 95. Frère. Voilà, exactement. Tu sais, quand tu fais reboot, quand on était petit. Windows Vista. Ah putain. Il reste donc, à tourner. C'est vrai que la GT3, elle est un peu plus... elle est un peu plus pure, elle te donne une expérience de conduite beaucoup plus réelle, ouais. Tu vois. Après la CLK, c'est un mini dragster et puis c'est ça qui fait son charme. Ah, elle a un moteur qu'on ne verra plus jamais dans les voitures, 6 litres, 2 V8. Ça c'est sûr. Tu sais que c'est le moteur qu'ils utilisent dans la GT3 de course, la AMG GT3. Exactement, qui est devenu le moteur de la SLS et puis aujourd'hui dans les AMG GT3 de course, ils n'utilisent pas le 4 litres biturbo, mais ils utilisent le 6 litres 2. Et à rouler, Joe, comparé à ta 991, est-ce que tu trouves qu'il manque de la technologie? Parce que dans cette voiture, exemple les gars, je trouve qu'il manque de la technologie parce que la voiture, elle ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe sur le moment. Le SP, il est fait pour une voiture que, à savoir, était introduite en 2003, la CLK, je pense que c'était 55-63. Ouais. Alors, c'est une technologie qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait, ils n'avaient pas leur MacBook pour la programmer comme il faut. Alors, elle reste très, je sais pas, c'est locomotive carrément, tu vois. Oui, c'est parce que c'est une voiture qui a pas beaucoup de poids à l'avant, pas trop de poids à l'arrière. Ouais. Elle est complètement surpuissante par rapport à son gabarit. Et il y a trop de coupes. Il y a beaucoup de coupes, beaucoup de chevaux. Donc, c'est sûr que la voiture, c'est très facile qu'elle perd le contrôle. Donc, Mercedes, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont mis un ESP qui, dès que la voiture, elle anticipe qu'éventuellement les roues vont patiner, et elle coupe l'accélérateur tout de suite. Après, sur la GT3, c'est différent parce que ce n'est pas vraiment un ESP, c'est un traction control. Donc, c'est TC. Voilà, TC, ça te coupe l'accélérateur. Mais sur cette voiture-là, sur la 997, avec des bons pneus, un bon setup. Mais elle était en Sport Cup 2 d'origine, Joe? Non, à l'époque, c'était en Sport Cup. À l'époque, ils étaient livrés ou en Pirelli ou en Sport Cup 1. Les premiers Cup. J'avais roulé avec des Cup 1, je me rappelle, dans la pluie. Ah ouais. Et puis les Cup. Il fallait tenir. Hein. Les Cup 1, c'était les pneus aussi de la M3 CSL, par exemple. Exactement. Ils ont commencé à faire leur apparition en 2005-2006. Exactement. Après, c'est une voiture qui a beaucoup de grip, donc. Avec le bon setup, il faut vraiment y aller pour la faire partir. Sur le mouillé, ça part tout de suite, ça c'est sûr. Mais la différence de conduite, c'est incomparable. Chaque voiture fait son charme. Ah, en plus, Joe, t'as le verre arrière en Lexan. Ouais, toutes les RS, ils ont ça. D'origine? Oui, polycarbonate et puis les côtés aussi. Je crois que c'est les versions américaines qu'ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas de siège baquet et pas de verre arrière en Lexan. Oui, parce que ça n'avait pas les Mais c'est bien ça pour faire ton pique-nique, tu vois, avec ta famille. Ouais. T'as essayé de mettre ton gosse dessus? Non, pas encore. Je devrais peut-être. Je peux appuyer 100 kilos, non? Non. Ah. C'est une 997, ça reste fragile. Hein. Ah, ok, pardon. Bon, Joe, on peut écouter la voiture, s'il te plaît? Ouais, allez. Mais tu veux pas leur dire qu'est-ce que tu as fait avec l'échappement? Oui, j'ai enlevé les silencieux de côté, en fait. Les silencieux ici? Exact. Donc maintenant, c'est une partie comme ils ont sur les GT3 Cup. Ouais. Qui joint directement le catalyseur avec la boîte arrière. Tu avais fait ça avec ta Touring aussi, non? Oui, c'est la même chose, exactement. Ouais. Allez, j'ai hâte d'entendre le bruit. Ah, tu vois, il faut qu'on aille rouler là. Je dis, on doit aller rouler. Allez. ESP off, peut-être. Finalement, en volant, les gars. Alors, on va entendre ce majestique cylindre. Voilà la boîte.
autrement. Quel est le différentiel autobloquant? Sacré bruit. On va essayer le premier virage. Ça va, tiens. C'est un peu mouillé comme d'habitude. Vous le savez que j'aime bien quand c'est mouillé. Et ce volant, on va dire carré, façon motorsport, il est incroyable. Et l'intérieur, vous le voyez, il y a des détails en carbone. Le petit logo Black Series, fameuse poignée, on va dire, façon pit car F1. 7000 tours. C'est incroyable comment tu sens comment elle est stable de l'avant et de l'arrière grâce à ces barres anti-roulées. Et ce qu'ils avaient fait AMG Mercedes à l'époque, c'est qu'ils avaient mis une suspension qui s'ajuste. Et ça veut dire que tu veux vraiment ajuster la voiture à ta façon. Si tu vas sur circuit ou si tu veux l'ajuster pour la route, un peu comme on a fait avec la Turbo S, hein, les carrossés, etc. Et moi, je ferais un peu plus de carrossage à l'avant. Ça c'est sûr. À savoir les gars, si vous le demandez, on est en Mexique là, on n'est pas en France. On est en mode off-road les gars, en CLK Black Series. Oh, il y a de la neige. Mais quel monstre, quel bruit de cette voiture. Pour une voiture qui a 13 ans, c'est incroyable. Tout le monde, j'espère que vous avez aimé notre petite vidéo retour dans le passé avec nos bolides de 2007. Abonnez-vous, on a beaucoup de trucs dans le pipeline, comme on dit en anglais. Et vous allez revoir Giovanni à 100%. On va mettre ses Instagram pour FK Cars. Cette Black Series, bientôt elle est à la vente. J'avais aidé Giovanni à la trouver. Suivez Giovanni The Touring avec sa collection magnifique. Et bientôt on va, je pense, faire des modifications sur la 720. Et une petite course avec la Turbo S et la 720. En tout cas, des petits thumbs up et à bientôt. Merci.